Avec Dodo Info pour améliorer la fluidité d'un LG ou d'un smartphone Android. Cette technique est très facile et très simple. Je vous souhaite un bon visionnage. Donc, on se retrouve, on va dans les paramètres du téléphone. Nous allons se rendre après, alors, si vous n'êtes pas à propos du téléphone ici, nous allons l'activer. Vous allez dans à propos, option développeur, excusez-moi. Alors, vous allez dans à propos du téléphone, vous allez sur l'information du logiciel. Et là, vous avez cliqué plusieurs fois sur le numéro du build. Et là, il y a marqué, pas besoin, vous êtes déjà un développeur, c'est normal. Vous, il n'y aura que 3 essais, et après, il se mettra en développeur. Une fois qu'il y a un développeur, vous allez vous rendre sur option de développement. Une fois sur option de développement, vous allez descendre, voilà. Et vous allez aller dans, ici, là, et vous allez activer, forcer le RAM du GPU. Et pour certaines personnes où ça marche, pour moi ça marche un chouïa, vous faites forcer le MSAA 4 fois. Alors qu'est-ce que c'est le MSAA x4? En fait, ça améliore les performances automatiquement dans les lancements d'applications. Voilà. Alors moi je laisse comme c'est. Donc excusez-moi, j'ai coupé la vidéo parce que j'avais un petit souci, j'ai un message sur l'ordinateur. Alors voilà, ça c'est MS, voilà, ça c'est pour mettre automatiquement. Sinon après, si vous cochez forcer le RAM du GPU, en fait ça va accélérer le hardway. Le hardway, c'est un 2D, c'est en fait l'accélération des fluidités d'application. Et si vous voulez encore optimiser, vous allez dans les échelles d'animation et vous mettez 5 fois. Voilà, mettez 5 fois. Si vous voulez que ça aille plus rapide, bon là on l'a pas. Non, moi je l'ai pas. Vous pouvez descendre encore plus bas, voilà. Sinon, si vous faites échelle d'animation x10, ça va pas le faire. Attendez, on va prendre là x10 et là vous avez vu, ça démarre tout doucement. Si on fait éteinte, voyez, si on fait éteint, ça arrive d'un coup. Mais il vaut mieux qu'on ait un petit décalage, vous voyez. Ça permet au téléphone de pas tout faire en même temps, voilà. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne comme vous faites d'habitude, à liker, partager cette vidéo sur YouTube ou sur Facebook, Twitter, Skype, voilà, partout. Et on se retrouve pour la vidéo. Allez, ciao à tous.